créé suivant l'accord cadre numéro 09-58/00-12-80, l'Association pour le développement de la jeunesse au Sahel, ADJS, est une ONG qui intervient dans le domaine de l'humanitaire, notamment l'appui des personnes démunies, la promotion des droits des femmes, des enfants, ainsi que la promotion du leadership féminin. C'est dans cette dynamique que l'ONG a initié cette rencontre pour offrir de la viande aux nécessités à l'occasion de la fête des Tabaski. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la Tabaski et dans l'appui des déplacés des différents sites qui sont à Bamako. Donc c'est pour les appuyer dans le domaine de la Tabaski. Beaucoup de gens sont démunis aujourd'hui. Ils ont quitté leur famille pour venir sans aucune ressource. Donc nous avons démarché des partenaires pour pouvoir les aider à trouver de la viande, notamment des bœufs. Vraiment avec l'appui des partenaires, nous avons pu avoir 60 bœufs et pour pouvoir aider au moins 500 familles. C'est des familles qui n'ont aujourd'hui aucune ressource, aucun moyen pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir avoir les soins les plus minimums. Suite à cette cérémonie de remise, les bénéficiaires expriment leur gratitude à l'endroit des généreux donateurs. Et je suis venu aujourd'hui au nom de notre site de déplacés de Kalabankoro et recevoir 10 bœufs donnés par l'ONG ADJS. Et nous tenons à remercier cette ONG et tous les partenaires qui nous ont aidés ce jour de fête. Cet acte de bonne volonté a été rendu possible grâce au concours de partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour venir en aide à ces familles en situation de besoin. Nous sommes venus de la Turquie pour aider nos frères maliens qui sont en difficulté et pour les aider aussi pour la fête de Tabaski. Tous les musulmans sont des frères. L'ONG ADJS prévoit de lancer un vaste programme d'assistance humanitaire en vue d'aider les personnes démunies dans les différentes capitales régionales du Mali. Ce programme s'accentuera dans le domaine de la santé, l'éducation et bien d'autres.